Bonjour François. Et ce lundi matin, un journal des sports spécial entièrement consacré à la New York-Vendée avec ce week-end les premières arrivées au Sable de l'Ouest. Et oui, ça y est, la course commence à rendre son verdict pour le grand vainqueur. Aucune surprise, il était attendu dans la nuit de samedi à dimanche après une course quasi parfaite. C'est Charlie Dalin qui termine donc premier de cette deuxième édition de la New York-Vendée. Peut-être étiez-vous d'ailleurs sur TV Vendée hier matin pour suivre avec nous la remontée du chenal du skipper de Massif Santé Prévoyance. La suite Dimanche, c'était aussi l'arrivée du second Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer, sans oublier le reste de la flotte, les 25 autres skippers, dont trois qui vont se disputer la dernière place sur le podium. Alors, si vous n'avez pas suivi la course ce week-end, séance de rattrapage avec le journal de la New York Vendée. Et on se retrouve juste après. C'est incontestablement l'image de ce 11e jour de course, la remontée du chenal des Sables d'Olonne du vainqueur de la New York Vendée, Charlie Dalin, dimanche matin, sur son IMOCA Massif Santé Prévoyance. Arrivé à 23h44 samedi soir, le Havre a franchi la ligne d'arrivée après 10 jours, 3h44 et 30 secondes de course. La marée ne lui permettant pas d'embouquer le chenal Sablé, Charlie Dalin a attendu 9h et les conditions parfaites de ce dimanche 9 juin pour profiter de la clameur d'une foule venue le saluer. Lui qui endosse encore davantage cette étiquette de favori pour le prochain Vendée Globe. Vraiment plein d'émotions, heureux d'arriver en vainqueur euh, au Sable Ça envoie un signal <laughs> à, à au concurrent qu'on est présent, on est là. Cette remontée de chenal aussi qui est, qui est toujours émouvante et, 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 et géniale à, à faire. Donc, euh, donc voilà, c'est une victoire que je savoure. <laughs> Quelques heures plus tard, peu avant 17h, c'était au tour de Boris Hermann d'en terminer avec cette New York-Vendée. Le skipper de Malaysia Sea Explorer boucle cette transatlantique avec une belle deuxième place. L'Allemand fut le seul à opter pour une route des plus septentrionales en contournant avec succès l'anticyclone des Açores par le nord. Charlie Dalin sur la plus haute marge, Boris Herman deuxième, qui pour compléter le podium, à moins de 500 000 de l'arrivée, ils sont trois à se disputer cette dernière place. Sébastien Simon sur groupe Dubreuil, Thomas Ruyant sur Vulnérable et Jérémy Bayou sur Charal. Ah, vu comme ça, ça a l'air joli, hein. En vrai, euh, vrai c'est joli, mais pour naviguer là-dedans, ce n'est pas évident. Ah, il faut sauter d'un nuage à l'autre et... et puis être au réglage des voiles en parlance, donc. Euh... Euh, voilà, mais on lâche pas, il euh, faut rester à cette position-là, en tête de la, de la flotte. là. Derrière le reste de la flotte reste sur le qui vive. Avec son déplacement vers le sud, l'anticyclone risque bien de laisser sur place une partie des skippers. De groupes se distinguent, un plus au sud composé de 12 skippers, Nicolas Lunven en tête, Manuel Cousin en queue de peloton, tous affichant des moyennes d'environ 6 nœuds sur les dernières 24 heures. Plus au nord, la pétole rythme aussi le quotidien. Cinq skippers ont opté pour une stratégie de contournement par le nord en misant sur des vents plus favorables une fois l'anticyclone passé. En attendant, la patience reste là aussi la mère de toutes les vertus de cette transat-retour. Vous voyez derrière moi, euh, bah ouais, c'est calme. Hein. C'est aussi calme qu'un dimanche à la campagne chez les grands-parents. Euh, donc voilà, euh, on est parti par là-bas pour contourner l'anticyclone par le nord euh, parce que dans le sud... Euh, comme j'étais plus loin de tout le monde ben, j'aurais eu plus de calme sans doute. C'est un petit pari puis ce qui est rigolo c'est que est qu on cinq bateaux à être parti à être partis dans le nord et dans les cinq bateaux il y a un suisse, un chinois, un japonais, un hongrois et évidemment un belge hein, parce qu'il faut toujours un belge. Si cette New York Vendée a déjà choisi son vainqueur, le podium reste encore à compléter. Jérémy Bayou semble être le plus à même de ravir cette troisième place. Mais Thomas Ruyant et Sébastien Simon restent en embuscade. Leurs arrivées sont prévues dans la soirée de lundi ou dans la nuit prochaine. Quant au reste de la flotte, la course est encore loin d'avoir rendu son verdict. En dehors du top 10, la grande majorité des skippers bataillent toujours avec l'anticyclone et la difficulté permanente à trouver un vent consistant. Conséquence, leur jour d'arrivée reste difficile à estimer, mais cela pourrait être en milieu de semaine. Le groupe de skippers ayant opté pour l'option nord ferme le classement de ce 11e jour de course, Denis Van Winberg et Kojiro Shiraishi évoluant respectivement en 26e et 27e position. Et pas de changement majeur cette nuit au classement, le top 5 est désormais connu. Reste à savoir dans quel ordre prochaines arrivées dès ce lundi soir et arrivées groupées. La direction de course annonce ce matin l'arrivée de Jérémy Bayou entre 18h30 et 21h30. Le skipper Charles devrait être suivi de peu par Sébastien Simon sur Groupe du Reuil. Arrivée estimée entre 21h30 et minuit 30. Et puis enfin à bord de vulnérable, Thomas Ruyan pourrait pointer son étrave au sable entre 22h30 et 1h30 du matin. Pour le gros de la flotte et la quinzaine de skippers qui bataillent actuellement avec l'anticyclone, les arrivées devraient s'échelonner mercredi. Jeudi et jeudi. Pour rappel, tous ont jusqu'à jeudi prochain, 23h59, pour conclure la course avant la fermeture de ligne. Et puisque la transat s'avère plus longue que prévu, va aussi commencer à se poser la question du rationnement. Tous n'avaient pas forcément envisagé le scénario d'une New York-Vendée rallongée. Il va donc falloir économiser des vivres. C'est un aspect à ne pas négliger en cette fin de course. On gardera un œil attentif sur tout cela. Et puis, bien évidemment, je voulais aussi qu'on s'attarde ce matin sur le grand vainqueur de ces dix derniers jours, Charlie Dalin à bord de Massive Santé Prévoyance. Beaucoup voient désormais en lui le grand favori pour la victoire. Sur le prochain Vendée Globe. Alors, ce résultat a-t-il permis à Charlie Dalin de marquer un, un ascendant psychologique sur ses concurrents La question a été posée au principal intéressé. S'il y en a un, tant mieux. <laughs> Parfait, c'est sûr que. Euh, mais après, voilà, la, la Vendée Globe, c'est une course qui est tellement différente, tellement à part entière que l'objectif, c'est d'être dans la. Dans la dans la posture de pouvoir aller chercher une victoire sur le vent des globes. Après, il y a tellement d'aléas, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. C'est difficile de, de prétendre à mieux. Quoi. De dire qu'on va aller gagner le vent des globes, ça me paraît... Voilà, c'est une course qui est tellement longue, tellement à part entière, c'est x7 de ce qu'on vient de faire. C'est quand même une dimension totalement différente, donc il faut vraiment rester humble. Sur, devant, devant, la, devant ce Vendée Globe, c'est clair. Vraiment plein d'émotions, heureux d'arriver en vainqueur euh, au Sable d'Olonne. C'était vraiment comme une mini arrivée devant des globes hier. Euh, voilà, je suis, ça m'a beaucoup rappelé mon arrivée euh, fin janvier euh, 2000, 2021. C'était nuit noire avec un peu de, un peu de, un peu de mer à l'extérieur du, du port, euh, avec toute la, la nuée de semi-rigide de, 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 de l'Orga. Et puis là, cette remontée de Chenal aussi qui est, qui est toujours émouvante et géniale à, à faire. C'est une victoire que je savoure. Le niveau moyen en, sur le circuit IMOCA augmente. Il y a de plus en plus de skippers capables de remporter des courses et de faire des podiums. C'est un bien, un bien de plus en plus rare et précieux, donc euh, il faut savoir d'autant plus euh, les apprécier. Quoi. Voilà beaucoup d'humilité pour le vainqueur de cette New York Vendée, qui, on le rappelle, s'était présenté en premier sur la ligne d'arrivée lors du dernier Vendée Globe, mais avait finalement terminé deuxième suite aux bonifications de Yannick Bestaven, le futur vainqueur de l'épreuve. Alors favori ou pas, on a bien compris que ce statut ne semblait pas plus que ça peser sur les épaules de Charlie Dalin. Quid de son team manager Jean-Luc Nélias Nous l'avons interrogé à ce sujet hier matin. Un petit peu souvent ce statut de favori, Charlie, donc euh, je pense qu'il s'en accommode et puis euh, nous aussi, mais il ne faut pas prendre feu, il hein, toujours, faut toujours du contrôle, hein, on ne peut pas laisser tout libre, donc c'est un peu le boulot aussi du, du team manager de, de gérer les, les hauts et puis les bas qu'on a aussi et de faire un truc euh, qui est moyen haut. Voilà un truc moyen haut, donc on comprendra qui pourra. On posera peut-être la question à Charlie Dalin, puisqu'il sera dans l'entretien 85 Chrono de cette semaine. Nous reviendrons sur sa course. Les détails qui l'ont fait arriver, eh bien en première position et son statut a désormais 5 mois pile du des Globes. Mais avant cela, rendez-vous dès ce soir dans 85 Chrono, puisque l'actualité sport s'est poursuivie. Il n'y avait pas que la voile ces dernières 24 heures. On parlera notamment de ring hockey, de basket, de golf et puis également de cyclisme. Alors rendez-vous dès ce soir à 18h45. Eh bien, c'est noté. Le rendez-vous est prêt. 85 chrono, donc à 18h45, on, on, on vous retrouvera. Donc, Alexandre Lenaour, merci beaucoup.